La sœur Sephora, qui est mon épouse, veut divorcer d'avec moi. Mais bon, je l'aime tellement que je suis prêt à faire n'importe quoi pour ne pas qu'on se sépare. Et au fond du Seigneur, c'est vraiment difficile pour moi. Et qui pour vous? C'est mon époux. Mais vous ne le dites pas avec un grand sourire. Wilfried, qui est là, que vous voyez, refuse catégoriquement tout contact. Il dit qu'on devait consommer notre mariage. 2 mois sont passés. 3 mois passent. 4 mois, 5 mois. Voire 6 mois. Toujours rien. Je vois sur les documents que Wilfried, qui est là, est stérile. Mais en plus de ça, il est impuissant. Mais le comble dans tout ça, il savait. Non, s'il vous plaît, rassurez-vous. Il savait. Mais tu es chrétienne, tu veux le divorce comment? Tu es chrétien? Tu savais que tu étais chrétien et puis tu m'as fait ça? Ça, c'est les gens du monde qui font ça. Ton ami que tu as envoyé pour venir me demander pardon là. Écoute-moi très bien. Que t'as mis en question là. Nous avons eu un rapprochement. Tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Il y a eu quoi? Faut parler. Je dis, tu n'es pas un enfant. Je suis pas un enfant, ça veut dire quoi? Faut parler. Et de surcroît, je t'informe que je suis enceinte de lui.